Ici, en fait, on est à l'Institut Paul-Henri Spaak. Et là, en fait, c'est la fin de l'année scolaire et on a organisé deux petits ateliers. Et on fait des tags, on tag nos prénoms sur des panneaux avec des bonbonnes de peinture. J'ai fait un panneau avec mon prénom. J'ai écrit une petite phrase au-dessus et une petite signature en bas. Je crois que c'est la première chose qu'on apprend à écrire quand on est enfant, je pense. C'est son nom, son prénom. Sa forme, c'est une partie de ton identité. Tu vas choisir la couleur de fond. Et on va remplir l'intérieur du lettrage, mais en essayant de ne pas dépasser le gris ici, ton contour gris. Donc le graffiti, c'est un peu ça aussi, c'est marquer sa présence. Je gère. Toute l'année, j'ai travaillé, les professeurs ont travaillé avec eux, autour aussi du thème de l'identité et de ce qu'ils allaient faire. Plus tard, parce que bon, en 3-4, très souvent, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a devant. Il y en a plein qui se disent, moi, de toute façon, l'école, c'est pas pour moi, je suis nulle et je rate toutes les façons. Et donc, il y a eu des projets qui ont été mis en place, en médiation scolaire aussi avec les profs, pour essayer de réfléchir un peu de ce que je viens et vers où est-ce que je vais. Et ça s'appelle Mauve, là. Ici. Ouais. Maintenant, je suis en train d'apprendre à taguer, il y aura mon nom et tout, je suis fier de moi aujourd'hui. Je passe du beau temps, au lieu d'être chez moi en train de dormir. En plus, c'est bizarre parce que ce matin, je voulais pas me lever. Je me suis dit, ça va être chiant et tout, et je voulais m'endormir et tout ça. Puis là, franchement, je me dis, si je serais resté, j'aurais la haine parce que j'aurais raté tout ce que je vois là. Voilà.